Le Kirin est un yokai majestueux, dont l'apparence peut varier, tantôt couvert de poils, tantôt d'écailles, voire les deux. Parfois muni d'ailes, il a généralement une tête de dragon et une ou deux cornes semblables à des bois de serre. On le compare souvent aux licornes occidentales. Le Kirin apparaît en Chine, où il est appelé Kilin. Il est déjà mentionné dans les annales de Bambou, une très ancienne chronique historique datant de la période des royaumes combattants, c'est-à-dire du 5e au 3e siècle avant Jésus-Christ. Son apparition est toujours un excellent présage, signe que le gouvernement est vertueux ou qu'une descendance brillante est sur le point d'arriver. Au Japon, le Kirin est lui aussi un yokai de bon augure. C'est en tout cas ce que dit l'Engishiki, un recueil de lois du 10e siècle demandé par l'empereur Daigo et rédigé par des membres de la famille Fujiwara. En l'an 9 du règne de l'empereur Tenmu, c'est-à-dire en 680, on aurait découvert des os de Kirin sur le mont Katsuragi. Au Japon, les girafes sont aussi appelées Kirin, de par leur ressemblance avec certaines représentations du yokai. Notons enfin que le Kirin est aussi connu au Vietnam et en Corée. Le 29 novembre 2012, le gouvernement de la Corée du Nord affirme avoir trouvé l'antre du Kirin qu'aurait chevauché le roi Jumong au 1er siècle avant Jésus-Christ. Cette découverte confirmerait donc que Pyongyang est bien la capitale légitime de la Corée. いや、合わせどうぞ。